Good morgen, allez, Eden, les suisses aujourd'hui, le Nishma Janinuit, Bat Fortune, Mazal Fritna, la Chayabat, Mazal Tov, Lucien, Batrina, et Claude, Shalom, Ben Shalom. Si vous souhaitez aussi d'une prochaine étude de Mishnah, contactez le 5 minutes éternelles. Nous étudions ma secret de Gitin, Père Grav, Mishnah Bet. Aisha, Shamra, Itkabel, Ligiti, Tzricha, Shnei, Shtekite, Edim. Shnaim, Shomrim, Befanenu, Amra, Veshnaim, Shomrim, Befanenu, Kibel. Kibel, Vekara. ואפילו אין הראשונים ואין האחרונים, או אחד מן הראשונים ואחד מן האחרונים, ואחד מצטרף עמהם. Fin du premier sujet. Deuxième sujet, נערה מאורסה, היא ואביה מקבלים את גיטה, אמר רבי יהודה, אין שתי ידיים זוכות כאחד, אלא אביה מקבל את גיטה בלבד, וכל שנה יכולה לשמור את גיטה, אינה יכולה להתגרש. Deux sujets dans notre Mishnah. Le premier, en rapport avec la Mishnah précédente, à savoir lorsqu'une femme nomme un chaliar pour recevoir le guet. Il faut bien comprendre, peut-être qu'on fait d'abord une petite introduction, de « Endavar sheba erva pachot mishnaim ». Vous avez déjà entendu cette phrase, qu'il ne peut, on a une règle dans la Torah, que « Alpishnaim edim yakum davar », sur la bouche de deux témoins, les choses sont prouvées, ça c'est pour les témoignages, il faut différencier en fait. Il y a deux sortes de témoignages dans la Torah. Il y a le témoignage où on va au Beit Din pour raconter ce qui s'est passé, et il y a à part ça des témoignages qu'on fait pour valider un acte. Comme par exemple qu'on écrit un shtar, on a deux témoins qui signent, les témoins ne sont pas en train de signer et que ça a déjà eu lieu, ils signent avant qu'on transmette le shtar. D'accord, c'est, on est en train de fabriquer grâce aux deux témoins, on va fabriquer que maintenant on va faire que ce papier-là, qui était un vulgaire morceau de papier avec de l'encre déposée dessus, devient un shtar. Pour que la finalité de ce shtar, c'est d'avoir deux témoins qui vont signer à la fin leur nom, comme ça, ça va donner toute la valeur du shtar. Donc on a besoin de deux témoins pour tout ce qui est davar sheba erva. Tout ce qui touche au... Pour les davar sheba mamon, spécialement, on n'a pas besoin de problèmes d'argent, on n'a pas toujours besoin de deux témoins. Même un seul témoin, ça fait quand même, ça a quand même une certaine importance. Pour tout ce qui est d'avoir Sheba Erva, tout ce qui touche aux problèmes, aux questions de femmes mariées, et tout, puisque ça touche à la condamnation à mort, puisque si la femme est mariée et qu'elle va avoir un écart, c'est une condamnation à mort, et à ses proches femmes qui vont devenir interdites et tout ça. Donc pour tout ça, on a besoin d'avoir deux témoins pour chaque. Quand on veut faire des Kiddushin ou quand on veut donner un guet, il faut deux témoins. Ça, c'est la pré-introduction. Maintenant, on arrive à notre Mishnah avec à présent. On a évoqué qu'une femme peut nommer un chaliar pour recevoir un guet. Donc on a maintenant M. Réhouven qui vient d'Amérique et qui nous raconte que son mari a demandé que je reçoive son guet. La femme, elle m'a envoyé pour recevoir son guet. Elle veut divorcer. Je suis d'accord de divorcer. Maintenant, on va dire à ce M. Réhouven, mais qui es-tu, toi? Tu nous racontes que tu es son chaliar. Qui prouve que tu es son chaliar? Soit n'importe quel étranger qui va débarquer va dire « Ouais, ma fête, ta femme, elle veut que je reçoive le guet, donne-moi un guet. » Et la personne me donne un guet. Alors quoi, elle devient divorcée, mais qui a dit que je suis son chaliar? Pour être sûr que je sois son chaliar, il faut des témoins. Et de ce fait, « Aisha shamra et kabel ligiti » une femme qui a dit à un témoin « Reçois donc pour moi le guet. »« Tzricha shtei kite edim » pour pouvoir ensuite prouver, une fois qu'elle a reçu son guet, et qu'elle veut affirmer qu'elle a été divorcée, elle devra apporter deux groupes de témoins. Shomrim befanenu amra, shneim shomrim befanenu amra ou shneim shomrim befanenu kibel vekara. Deux témoins qui vont dire que devant nous, elle a nommé Réhouven pour être son chaliar, et deux témoins qui vont dire devant nous, Réhouven a reçu le guet et a déchiré le guet. Laissez tomber cette phrase, ce supplément pour le moment, on va l'expliquer après. Donc elle a besoin maintenant d'apporter donc deux groupes de témoins, un groupe de témoins pour la nomination et un groupe de témoins pour l'exécution, que concrètement le guet a été reçu. D'accord? C'est clair? Et la Mishnah me dit, maintenant, sache que c'est pas obligé d'avoir finalement quatre personnes, tu peux aussi faire tout ça avec deux personnes. Afilu hen rishonim ve hen achronim, même si c'est les deux mêmes témoins qui ont été témoins que la personne a été nommée, et ensuite ce sont les mêmes témoins qui vont témoigner qu'elle a reçu le guet, il n'y a aucun problème. Mais il faut deux témoins qui témoignent sur la première scène et deux témoins qui témoignent sur la dernière scène. Même si c'est les mêmes personnes, ou encore au Echad min Rishonim, Echad min Achronim, ou encore s'il y a même un qui était là-bas et un qui est à l'arrivée, et avec un troisième témoin qui s'associe tantôt avec l'un, et une fois, il s'associe avec le témoin de la nomination et avec le témoin de la réception du guet.
D'accord? Même si, bien, je pas traduit toute la phrase. Ou Echad Min Arshonim, ou encore un du premier groupe, Ve'echad Min Arshonim, et un autre du deuxième groupe, Ve'echad est une troisième personne, qui est Mitztaref Imen, qui est Mitztaref, qui s'associe avec chacun indépendamment. Parce qu'elle était là aux deux événements, lorsque la femme a nommé et lorsque le chaliar a reçu. D'accord? Fin du premier sujet, donc c'était clair. Donc on a besoin de la nomination et la réception du guet doit être faite devant deux témoins. Deuxième sujet, Nahara Meorasa. On est en train de parler maintenant d'une Nahara Meorasa, une jeune fille fiancée, pas encore mariée. On a déjà évoqué plein de fois qu'une femme, que l'on fait d'abord les Kiddushin, on la fiance concrètement, c'est lorsqu'on fait les Kiddushin, comme cela comprend de Natabat, on dirait Mekid de Chateli. C'est la partie acquisition de la femme pour le moment. La femme, elle devient la femme du mari, que si elle a un adultère, elle est passible de mort. Mais pour le moment, le mari ne vit pas encore avec elle. D'accord? Parce qu'elle n'a pas encore fait la choupa. Aujourd'hui, on fait tout ensemble. Depuis qu'elle a plusieurs. C'est un centenaire maintenant. On a l'usage de tout faire sous le même jour. Mais initialement, c'était deux étapes. Comme ce qu'on fait aujourd'hui, les fiançailles. Les fiançailles de l'époque avaient une valeur beaucoup plus conséquente qu'aujourd'hui. Aujourd'hui, ça engage presque rien. Les Ashkenazim encore. Ça engage beaucoup du point de vue où c'est compliqué de faire machine arrière, mais ça n'engage pas pour le moment, ils ne sont pas considérés comme mariés. À l'époque, on faisait les fiançailles et la femme était considérée comme mariée. Après. D'accord? Donc, comme mariée avec un statut de fiancée en fait. Et lorsque la femme, elle était une Nehara, une jeune fille, soit en fait, concrètement, il y a plusieurs halakhot qui sont fréquentes, même pour les enfants, jusqu'à la Nehara, la jeune fille, jusqu'à la Nehara, tant qu'elle n'est pas devenue adulte, donc 12 ans et demi, si je veux traduire ça en âge, jusqu'à l'âge de 12 ans et demi, eh bien, elle est encore sous la tutelle de son père. Et lorsqu'elle devient fiancée, elle est sous la tutelle du mari et de la tutelle. Et du père. Maintenant, pour recevoir le guet, il y a un grand chidouche. C'est que Nahara Morasa, une jeune fille fiancée, Yivavia Mekeblin Nengita, il y a deux personnes qui peuvent recevoir le guet. Lorsque le mari, finalement, il veut divorcer cette jeune fille, ça ne l'intéresse plus, il peut soit donner le guet au père, puisque c'est le père qui la marie, mais il peut même aussi le donner le guet à la fille, parce que cette fois-ci, comme c'est une Nehara, qui est une jeune fille, elle a du da'at, c'est plus une petite fille, et je peux lui donner à elle directement. D'accord? J'ai dit des choses pas exactes, mais c'est pas... Ça suffit pour le moment pour... D'accord? C'est comme ça le Bartanoï l'explique. C'est-à-dire, Oyo Avia, Hi Yeshlayad, De Agdolai, elle est assez grande pour le faire, et son père aussi peut recevoir. D'accord? Il y a de quoi objecter sur la question, mais pour le moment, on reste sur ce qu'a écrit. Donc, tel que c'est enseigné ici, que le père, comme la fille, chacun a la possibilité de recevoir le guet. Le père, parce que c'est lui qui gère le dossier de sa fille, avec qui elle a marié, avec qui elle a divorce, en l'occurrence, tant qu'elle n'a pas été mariée sous la choupa. Et la fille elle-même, elle a du dat, donc elle peut aussi recevoir son guet. Amar Rabbi Yehuda, viens sur ça, Rabbi Yehuda, il n'est pas d'accord. Sur Rabbi Yehuda, il dit non. En shtei adaim zochot ke echat. Elle a avia mekabelet gita bilvad. Rabbi Yehuda va me dire, ça n'existe pas ton histoire. C'est impossible qu'une femme, elle est mariée, et qu'il y a deux personnes qui soient considérées comme propriétaires, ou bien comme responsables d'elle pour décider de son sort, est-ce qu'elle va divorcer ou pas, le père comme la fille. Si c'est l'un, c'est pas l'autre, si c'est l'autre, c'est pas l'un, et en l'occurrence, Rabbi Yehuda va me dire, tu donnes le guet au père et pas à la fille, parce que la fille, elle n'est pas dans sa propre propriété personnelle pour gérer son sort, c'est son père qui la marie, elle ne peut pas se marier elle-même. D'accord? Et fin de la Mishnah, Vechol shena yochal lishmor et gita ena yochala litgaresh. Une Mishnah qui vient m'enseigner quelque chose de très simple. Malgré tout, on a dit que maintenant, un père, il a le droit, depuis que sa fille elle est née, il a le droit de marier sa fille, s'il veut, avec n'importe qui, jusqu'à sa majorité de 12 ans et demi, pas 12 ans, 12 ans et demi, le père a la possibilité de décider avec qui il la marie. D'accord? Et en l'occurrence, lorsqu'on veut divorcer la femme, donc, il faut donner le guet au moins au père, et peut-être même à la fille, comme son évoqué. La question maintenant est de savoir, est-ce que la fille, il y a un problème technique, c'est que la femme, la petite fille maintenant de 6 ans, elle, on a dit qu'elle avait un mari, et à chaque fois qu'elle voit ce monsieur, alors imaginez, c'est assez original quand même comme mariage, on a un monsieur de 20 ans qui va se marier avec une petite fille de 5 ans. Ça sera sa femme à un moment, d'accord? C'est comme ça que c'était l'usage à l'époque. On prenait la fille, puis elle grandissait. Le bon rapport avec une femme, c'est en fait d'avoir que le mari soit un petit peu le père de la fille. Pas juste le copain équivalent, mais que ce soit lui qui, comme on dit en hébreu,
C'est lui qui est Lovesh El Mikhnasayim, c'est lui qui dirige. Donc c'était fréquent d'avoir un mari qui avait une femme qui était beaucoup plus jeune que lui. En l'occurrence, il pouvait même se marier aussi avec une fille de 5, 6 ans, 7 ans. Concrètement, je ne sais pas s'ils avaient des rapports entre eux, je ne sais pas, avec une petite fille, à quoi ça ressemble. Mais en tout cas, c'était sa femme, elle vivait sous sa tutelle, et voilà. Maintenant, donc on a marié la petite fille de 6 ans, on l'a juste fiancée plutôt, elle est pour le moment sous la tutelle du père, et on a donné que du jeune au père. On a dit que on peut finalement, si j'ai plus envie de me marier avec elle, parce que j'ai envie de partir vivre à l'étranger, je ne préfère pas me la trimballer la petite, je préfère finalement donner à son père un guet pour la divorcer. Il y a une condition à ce que le guet fonctionne, c'est est-ce qu'elle est yichola lishmor et guita, est-ce qu'elle est apte à garder son guet. Les mots littéralement, on pourrait croire que ça signifie qu'elle puisse garder son shtar de guet. Non, concrètement, ça signifie que meshalcha venachoseret, que on va lui faire comprendre, il faut que, c'est-à-dire, puisque je peux marier une fille qui a 4 ans, 5 ans, 6 ans, 7 ans, 8 ans, et après je vais la divorcer, je ne pourrai la divorcer que si elle est capable de comprendre qu'elle a divorcé. C'est-à-dire qu'elle ne va plus revenir chez moi. Mais si, quand je la divorce, elle n'a rien compris, elle, pour elle, elle croit que je vais encore jouer à l'élastique avec elle. D'accord? Alors maintenant, elle va continuer à venir chez moi, à me taper à la porte pour que je vais... pour que je vais jouer à l'élastique avec elle, parce que voilà, et bien dans ce cas-là, tant qu'elle ne comprend pas que je la divorce, je ne peux pas la divorcer, même en donnant le guet à son père, d'accord? C'est tout pour aujourd'hui, je vous souhaite une journée pleine de Hatzlacha, Kol Tuv Selah.